Ivory Coast has based its economy on farming. It is the world leader for cocoa, cashew nuts, and rubber trees. Yet the country struggles to feed its 29 million inhabitants. Vegetables, which play an essential role in the diet of urban populations, are produced in insufficient quantities. What's worse, vegetable production based on monocropping and the use of chemical input is starting to be questioned by the producers themselves. Bon, le business aujourd'hui, bon, on se plaint pas. Et la production est petite, donc la demande est hausse. On n'arrive pas à satisfaire tout le monde. Bon, les produits viennent de nos productions conventionnelles, mais tu vas récolter avec des résidus chimiques. Et ça va directement à la consommation. Forcément, ça rend malade. Et ça ne te tue pas en deux jours. Comme on le dit, même le docteur va te confirmer que ça te tue peut-être dans 10, 15 ans. Tu vas te retrouver avec un cancer. Oui, mais je suis obligé de m'approvisionner là-bas. Il n'y a pas d'aliments bio-concurrents. Donc, ça me rend malade ou pas. Ça, je n'ai pas le choix, il faut vivre. Il faut dire que l'agriculture chimique, vraiment, a ses lacunes, a suffisamment de lacunes. Parce que moi, j'étais dedans, vraiment, j'ai vu. Il faut dire que j'ai tellement fatigué le sol avec les herbicides, l'engrais chimique, le NPK, l'urée, tout ça là. Et donc, c'était dangereux pour ma santé, pour la santé de ma famille et aussi pour la santé des consommateurs. Conventional agriculture causes important health issues, yet it's not the only flaw in this system. Avec la guerre en Ukraine, l'engrais coûte, ça coûte cher. Aujourd'hui, le prix est monté même jusqu'à 3 fois qu'avant. On ne va même pas trouver l'argent pour payer l'engrais. Et encore, si tu veux continuer à faire, tu vas tuer le sol. Si tu as tué le sol, ça ne peut plus te produire. Tu ne peux plus gagner l'argent pour payer l'engrais même pour le faire. Alors tu vas travailler où? C'est vraiment là, on rentre dans ça, on ne s'en sort pas quoi. On ne s'en sort pas. To overcome these difficulties, a few farmers have turned to agroecological farming, a growing movement in Ivory Coast. Ça va très bien chez moi depuis quelques temps que je pratique l'agroécologie. J'arrive à produire, je fais des aubergines, du gombo, des courgettes, des concombres. Il faut dire qu'aujourd'hui, je produis à moins de coûts. Je m'intensique moins parce que j'utilise des extraits de plantes pour faire mes traitements. Je fais des apports organiques. En même temps, nourrissant la plante, je fertilise encore mon sol. Puisque je dépense moins, j'ai un peu plus d'entrée d'argent pour m'occuper de mes charges. For more than 20 years, CIRAD researchers have been working with farmers to build agricultural production systems that rely on the services provided by their ecosystems. En fait, l'agroécologie permet de répondre à un besoin immédiat des gens. Les gens viennent nous voir, ils nous demandent comment on peut faire pour remplacer ces engrais chimiques qui leur coûtent cher. L'agroécologie peut apporter des solutions qui sont disponibles localement. On utilise les ressources locales et en plus, on peut les utiliser tout de suite. Donc l'agroécologie, ça permet aussi de mettre en place une agriculture qui soit durable. Parce que plus ça va, plus on apporte de la matière organique. Donc on va toujours pouvoir cultiver sa terre. Et elle va jouer sur la diversité. Et en fait, l'agriculteur, pour lui, c'est intéressant parce qu'il a une production régulière d'une grande diversité de cultures qui permet d'avoir des revenus réguliers. En monoculture, je gagne l'argent un seul coup. Ou bien je perds complètement tout en un seul coup. Et quand je fais la diversification des cultures, ça me donne beaucoup plus de sécurité parce que au moment de vendre, si le marché est saturé en tomates, alors je m'appuie sur les concombres. Si le marché des concombres est saturé, alors je m'appuie sur les courgettes. Donc, ce qui fait que toujours est-il que je gagne quelque part. Je vois que c'est plus rentable qu'en agriculture chimique. En agroécologie, c'est vrai, ça prend un peu le temps, mais c'est moins coûteux. On dépense moins et on gagne plus. Parce qu'on utilise la nature pour cultiver. Je vais chercher mes feuilles de tabac, mes feuilles de moringa. Je viens, je fais mes décorations, je prends pour travailler. Je ne paye pas 10 francs. Ça me prend juste du temps, ça c'est vrai. Mais je ne paye même pas 10 francs. En fait, l'agroécologie, c'est un système qui demande de la formation. C'est beaucoup plus compliqué à faire. C'est un changement complet de système de culture. On passe de la monoculture à une polyculture,
avec l'utilisation de produits organiques qui demandent une connaissance pour savoir comment les préparer, comment les utiliser. While agroecology requires fewer resources, it does require having solid knowledge. In order to respond to this need, CIRAD, in partnership with IECD, has trained more than 250 farmers since 2019. J'ai participé à la formation proposée par le CIRAD. Pour moi, ça m'a apporté beaucoup. Je ne savais pas qu'on pouvait produire sans les produits chimiques et puis avoir un bon rendement. Dans l'avenir, si les moyens sont là, je compte ouvrir une boutique où je vais vendre les produits agro et puis valoriser nos produits. C'est ça mon projet pour l'avenir. In 2022, to do even more, CIRAD has initiated a new project called Marigot. For 4 years, researchers, trainers, producers and consumers share their knowledge and skills. Their goal is to promote agroecological transition to reconcile productivity, quality and the preservation of natural resources in the long term. Quelque part, on n'a pas le choix. On est obligé d'aller dans ce sens-là parce qu'on sait que nos sources d'approvisionnement d'engrais chimiques sont limitées. Et donc, il faut jouer la résilience. Il faut jouer surtout un système qui soit durable et qui permette aux agriculteurs d'utiliser les ressources locales.